Il y a eu des grosses manifestations en Chine cette semaine. Une grande partie de la population est tannée des mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Ce qui a déclenché les manifestations en Chine, c'est un incendie qui a causé au moins 10 morts la semaine dernière. Beaucoup de personnes ont affirmé sur les réseaux sociaux que l'arrivée des secours avait été ralentie parce que le secteur était confiné. Depuis 3 ans, le gouvernement chinois impose des restrictions sanitaires hyper sévères et les gens commencent à en avoir assez. Faut dire qu'avec une population de 1,4 milliard de personnes, les éclosions peuvent vite devenir incontrôlables. Dès qu'un cas est découvert, on peut confiner une ville entière pendant des semaines. À plusieurs endroits, il faut absolument avoir un test négatif pour avoir accès aux espaces publics comme les centres commerciaux. Alors, de savoir qu'un confinement a peut-être causé des morts, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. En Chine, les gens qui critiquent le gouvernement publiquement sont souvent arrêtés, ou bien ce qu'ils écrivent sur Internet est effacé. D'ailleurs, la police chinoise est très présente dans les rues depuis les manifestations, et beaucoup d'informations concernant le soulèvement ont été supprimées d'Internet. Plusieurs personnes sont tannées de cette censure et l'ont dénoncée pendant les manifestations. C'est pour ça qu'on pouvait voir des gens tenir une feuille de papier blanche devant eux. Ça représente le fait qu'ils peuvent rien dire. Certains en ont aussi profité pour exiger la démission du président chinois Xi Jinping, qui dirige le pays de façon autoritaire depuis presque 10 ans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la population chinoise manifester à autant d'endroits au même moment pour demander plus de liberté. Et c'est pour ça qu'on parle de manifestations historiques.